Salut à tous et à toutes, c'est Shadow Nightmare et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Teenage Mutant Ninja Turtles, débutant à ninja. En gros on va traduire ça par... des mutants à Manhattan, pardon. On va traduire ça tout simplement par Tortue Ninja, des mutants à Manhattan. Un jeu que j'ai découvert, que je ne connaissais même pas d'ailleurs, que j'ai totalement découvert sur une foire à tout. Et je l'ai acheté pour une dizaine d'euros et j'ai dit tiens, il a l'air quand même d'être assez stylé ce jeu. Du coup j'ai voulu le tester, j'ai dit si j'aime pas tant pis, si j'aime bien bah tant mieux. Et je suis assez mitigé mais on va dire plutôt que j'aime bien. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Tortues Ninja, bon peut-être pour les plus jeunes d'aujourd'hui, mais en tout cas pour ceux qui sont de ma génération, je pense que vous connaissez tous les Tortues Ninja. Sinon, bah, pour les plus jeunes, c'était un dessin animé. Enfin, à la base, c'était un manga qui a été adapté en dessin animé. Puis ensuite, en plusieurs dessins animés, je dirais même. Et même récemment, je crois qu'il y a eu deux films de Michael Bay dessus. J'ai pas vraiment regardé, je crois que j'ai regardé, mais je sais plus trop. Donc voilà, mais surtout, ce qui a rendu culte les Tortues Ninja, c'est le dessin animé de l'époque. Et ainsi, le jeu NES qui était absolument dur, mais voilà. Et depuis, bah justement, moi, en jeu Tortue Ninja, j'ai juste joué au jeu NES, que je pense tout le monde connaît plus ou moins. Et je n'avais jamais joué à d'autres jeux Tortue Ninja, je sais même pas s'il y en a eu d'autres, je pense qu'il y en a eu d'autres, logiquement. Mais voilà, du coup, c'était totalement une redécouverte pour moi, un peu de l'univers, etc. Même si j'avais des ennemis en tête, etc. Je connaissais encore les prénoms et tout. Même si là, pour le coup, bah, ils n'ont pas tous leurs prénoms. Alors, soit que c'est parce que c'est trop long, soit pour les droits d'auteur, ou un truc comme ça. Mais je ne pense pas que ce soit à cause des droits d'auteur. Je pense plutôt que ça serait long à dire à chaque fois, Donatello, Michelangelo, etc., etc., Leonardo. Donc ils ont tous été raccourcis, et c'est Léo, Mike, Donnie, et je sais plus quoi. Enfin bref, j'aime pas trop l'abréviation qu'ils ont donnée. Mais enfin bref, mis à part ça, le jeu est comment au niveau stylé? Bah c'est un beat'em all, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, je le considère comme ça, c'est-à-dire que vous devez tout défoncer. Alors il y a plusieurs niveaux, il n'y en a pas tant que ça des niveaux, je crois qu'il doit y en avoir 8 ou 10, un truc comme ça. Sans compter aussi les crédits, que pendant les crédits vous avez des combats. Là ce que vous voyez c'est le premier boss du jeu, donc Bebop, que vous pouvez d'ailleurs battre avec Rocksteady en même temps. Donc ça c'est aussi des ennemis qui étaient cultes dans les Tortues Ninja. Donc c'est le premier boss. Alors les niveaux ça passe comment? C'est tout simplement donc en 8 chapitres. Vous n'avez pas d'open world, etc. Même si au début on y croit, on se dit « Waouh, cool, je vais avoir Manhattan en Tortue Ninja » et non, non, on te coupe tout de suite l'élan, on te dit « Non, 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 il y a des bordures à la map. » Donc bon, c'est un peu dommage, même si j'y ai cru, bon, pas vraiment le souci. Donc c'est des maps plutôt serrées, enfin plutôt petites. C'est vraiment des carrés et les coupures de terrain sont vraiment secs, on va dire. Voilà, dès que vous arrivez à la limite, c'est, voilà, vous faites demi-tour. Donc c'est un peu petit, c'est un peu dommage, mais ça fait le taf. Alors comment ça se passe? Et bah tout simplement en fait, avant de battre le boss, donc généralement en fait les noms des chapitres ont le nom du boss, donc ça peut être bien comme pas bien, parce que bon, on peut savoir à quoi s'attendre, comme ça peut rendre la chose plus compliquée. Donc bon, voilà, et puis ça spoil aussi, donc bon, c'est un peu dommage, même si on s'en doutait que Shredder serait le dernier boss. Je vous le dis carrément, Shredder est le dernier boss, c'était obligé. Ça, de toute façon, je pense que c'était logique. Mais voilà, il y a Krank, etc. Enfin bref, des ennemis assez cultes, même si les autres je connais pas. À vrai dire, je connais juste Shredder, Krank, Bebop et Rocksteady. Les autres je connaissais pas, donc voilà, peut-être que c'est dans des Tortues Ninja plus récents ou quoi que ce soit. Mais enfin bref. Donc pour en revenir sur le déroulement des niveaux, donc les premiers niveaux, en fait vous allez avoir plusieurs missions à faire, donc c'est généralement plus ou moins les mêmes, ça va être désamorcer des bombes, tuer des ennemis, etc., etc. Donc c'est des missions que vous pouvez faire avec des rangs, donc rang S, rang machin, machin, machin. Et une fois le nombre de missions remplies, assez de missions remplies, vous allez avoir... April qui va vous appeler, qui va vous dire bah voilà, machin a été aperçu, vous avez plus qu'à y aller. Du coup vous allez à l'endroit qui vous indiquait en cinématique et vous allez pouvoir vous battre contre le boss. Donc ce système là c'est pas chiant, mais c'est juste qu'en fait bah le boss on est obligé de le battre. Enfin la façon que c'est fait, bon c'est pas top top les façons que ça a amené, voilà, parce que les missions du coup bah on peut pas trop faire grand chose. Il y a des choses à récupérer, des collectibles, sauf qu'on peut pas vraiment les récupérer parce qu'au final bah la mission se termine quand même, etc. Les missions sont hyper aléatoires, des fois vous allez avoir que des missions que vous allez tuer des ennemis, puis des fois des missions que vous allez être
un peu, ça va être un peu plus chiant, même s'il y a des missions qui sont, comment dire, obligées dans certains niveaux. Par exemple, les vols de lingots d'or et d'argent, je crois que ça se fait que dans les chapitres ou que c'est dans le métro. Les missions, je sais plus ce qu'il y avait d'autres, d'hélicoptères, bah, ça va être que les missions qui a du centre-ville. Enfin voilà, c'est un peu dommage, mais bon. Il y a plusieurs modes aussi, donc il y a le mode facile, normal, difficile et très difficile. J'ai fait le genre normal. C'est assez compliqué quand même parce qu'il faut savoir alors aussi que le jeu est possiblement jouable en multijoueur. Je dis bien possiblement parce qu'actuellement je ne trouve aucune personne en ligne. Donc je pense que voilà, c'est un jeu qui a été vite abandonné, voire même pas beaucoup vu. C'est dommage parce que comme vous voyez là, graphiquement, moi je le trouve très joli. J'aime beaucoup cet aspect-là qui a été donné pour les dessins. Et je trouve que ça va parfaitement avec l'univers des Tortues Ninja, donc c'est un peu dommage. Niveau graphique, moi j'ai adoré. Niveau musique, c'est un peu chiant. Les musiques des missions sont un peu chiantes. Mais voilà, après pour ce qui est du doublage, bah, c'est des doubleurs plus ou moins que j'aime bien, donc ça va. Qui sont pas forcément connus, mais qui savent faire leur boulot. Pour ce qui est des blagues aussi de Michelangelo, bon, bah, elles sont toujours là, mais voilà. Quand c'est pas drôle, il se fait narguer, donc ça va. Il y a que Michelangelo qui fait les blagues, donc ce qui est logique, hein, c'est le personnage qui fait ça. Pour ceux qui connaissent pas, c'est celui qui a le bandana orange et c'est celui qui fait les blagues, etc. Et c'est pas lourd, c'est pas lourd. Enfin, c'est pour ceux qui ont vu les dessins animés Tortue Ninja, c'est dans le même esprit, quoi. C'est qu'il va sortir une blague qui est pas drôle et tout le monde va dire ouais, c'est bien, et hop, on y va. Donc voilà. Puis bon, le caractère des Tortues Ninja est toujours respecté, même s'ils sont plus ou moins. Bon, on va dire que Leonardo, par exemple, qui est plus informatique, etc., bah là, il l'est pas forcément. Raphaël, qui est lui normalement dans la castagne, bah il l'est de temps en temps, mais pas forcément. Donc voilà, à part, comment dire, notre cher Michelangelo qui fait ses blagues, bah les autres caractères des personnages, bah ils sont là, mais sans plus, quoi. Donc voilà. Il y a aussi les charmes que je vous ai pas dit, mais en fait, les charmes, bon, servent un peu à quelque chose, mais. Ça sert en fait à augmenter certaines choses. Si vous mettez un charme vie, bah, vous allez avoir plus de vie, etc. Vous avez aussi 4 ultis, enfin moi j'appelle ça des ultis, en fait des combinaisons d'attaques que vous pouvez augmenter, etc. Donc ça s'augmente avec les points que vous gagnez à chaque fois. Et vous voyez en fait, les niveaux se passent comme ça, c'est-à-dire vous avez le nom, etc. Et donc vous pouvez combattre dans l'ordre que vous voulez, même si j'ai choisi de faire dans l'ordre tout simplement qui était écrit. Mais voilà, les niveaux sont comme ça, c'est pas des mondes libres et tout, c'est un peu dommage. Mais moi j'ai bien aimé quand même parce que ça fait toujours plaisir de jouer à un jeu Tortue Ninja qui est pas gamin ou quoi que ce soit. Franchement, il est assez compliqué hein, au niveau du gameplay parce que, bon, bah, comme je vous ai dit, c'est un jeu multijoueur. Le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde en multi. Enfin, moi j'en ai trouvé personne. Donc le souci c'est que j'ai dû faire le jeu en solo. Rassurez-vous, c'est faisable en solo, mais l'IA, donc l'intelligence artificielle, est un peu trop bourrine et des fois, par exemple, ou qu'il faudrait plutôt se calmer, bah. Le souci, c'est qu'elle va décider de continuer d'attaquer et c'est un peu dommage. Du coup, on perd assez facilement à cause de l'intelligence artificielle. Ce qui est vraiment, vraiment dommage et des fois, elle va pas vous réanimer, etc. Ce que je vous ai pas dit, mais pendant les combats, si vous mourrez, en fait, vous allez vous mettre en carapace de tortue, tout simplement. Vous allez avoir, je crois, une dizaine de secondes ou 5 secondes. Je pense que ça dépend de votre niveau de difficulté. Parce que j'ai fait certains trophées en facile et c'était une dizaine de secondes. Et je crois qu'en normal c'est 5 ou 6 secondes. Mais enfin bref, je veux pas dire de conneries. Et passé ces 5 secondes, vous allez directement arriver dans votre repère, donc au Kia Splinter, votre maître. Et vous allez devoir manger une pizza le plus vite possible. Et ceci fait, après vous allez remonter. Le problème c'est que bah normalement c'est faisable quand on est tout seul d'arriver dans la salle des pizzas. Sauf qu'en fait moi bah, j'ai jamais réussi. Du coup, bah, quand je mourais, si je me faisais pas réanimer par les autres tortues, vous passez automatiquement sur une autre tortue. Mais une fois que toutes vos tortues sont dans la salle des pizzas, bah, vous êtes dans le caca et vous devez plus que tourner en rond pour survivre. C'est un peu dommage dans ce sens-là, mais bon. C'est faisable quand même en solo, même si je pense que ça doit être bien mieux en multijoueur qu'en solo. Surtout si vous avez des personnes avec qui parler au micro, etc. Donc voilà, c'est juste ça le souci. Après, bien sûr, on peut contrôler l'intelligence artificielle, lui dire d'attendre, lui dire d'attaquer, etc. Mais je vous avoue que quand vous êtes en combat contre un boss, vous l'oubliez totalement ça. Et du coup, voilà, c'est pour ça que vous pouvez voir que mon intelligence artificielle est restée en mode à fond parce que bah voilà, j'avais pas le temps de le faire. Mais vous pouvez changer de tortue, vous pouvez voilà. Mais en même temps, chaque tortue a les mêmes capacités. Il y a juste leur arme qui varie, mais en vrai, bah, ça change pas grand-chose. Un truc aussi qui est pas mal, c'est que quand vous désamorcez des bombes, comme vous pouvez voir, ou même d'autres objectifs que vous devez faire forcément avec une autre tortue, et bah plus il va y avoir de tortues à faire votre action,
plus la chose va se faire vite. Donc c'est logique entre guillemets, mais je trouve ça sympa parce que ça permet par exemple quand vous jouez en multijoueur qu'il y en ait deux qui vous couvrent, parce qu'il faut savoir que les ennemis apparaissent quasiment tout le temps, même si vous videz la zone ils vont réapparaître. Du coup quand vous êtes en multijoueur au moins il peut y en avoir un ou deux qui désamorcent la bombe et un ou deux qui protègent. Donc voilà, c'est plutôt cool. Je pense que le jeu doit être vraiment énormément plus plaisant à jouer à plusieurs, surtout si vous jouez au micro. Quand je dis jouer au micro, c'est tout simplement voilà, communiquer ensemble. Parce que le jeu, mine 2, est assez dur des fois, même si le gameplay est assez simple. Mais voilà. Pour le gameplay, je ne voulais même pas expliquer, mais c'est juste voilà, vider les zones, faire les missions d'après, comme on dit. Comme je vous ai dit, les touches, c'est tout simplement carré et Y pour faire des attaques différentes. Rond, je sais même plus trop à quoi ça sert. R2 pour esquiver. Si rond, c'est pour interagir, pardon. Ensuite, vous avez L2 avec triangle, carré, rond ou X pour faire une ulti, comme je vous ai dit, ce que vous voyez en bas à droite. Les flèches directionnelles servent à utiliser des objets que vous allez pouvoir acheter soit au repère de Splinter, soit trouver sur les ennemis via des boules vertes, via des boules rouges que vous allez trouver un peu partout. Vous avez différents objets, hein, des sodas, etc., des pizzas. Les pizzas vous redonnent de la vie. À vrai dire, les objets se ressemblent plus ou moins tous et vous allez plus ou moins retomber sur les mêmes objets à chaque fois. Donc, c'est cool, mais bon, voilà. Pas top top. Et ensuite pour les touches, donc je vous ai dit pour les L2, et puis après pour si vous faites L2 avec les flèches directionnelles, c'est pour changer de tortue. Et si vous faites si vous faites le pavé tactile, c'est pour dire des trucs. Par exemple, si vous jouez en ligne, par exemple, je sais pas moi, action, danser, etc. Enfin voilà, il y a plusieurs trucs qui sont assez sympas. Mais enfin bref, le jeu, moi je le trouve plutôt sympa. C'était une bonne découverte, un peu court si vous le faites en normal, mais il peut vous donner du fil à retordre. Pour ce qui est de l'histoire, voilà, c'est pas ouf. C'est quand même plaisant de défoncer la gueule de Shredder, qui est juste hyper stylé et hyper classe, même si le combat est plutôt facile. Mais voilà, c'était plutôt cool. Et je trouve que le jeu n'est pas mauvais, mais je pense qu'il a besoin d'être amélioré. Mais malheureusement, je sais pas si le jeu s'est bien vendu ou quoi, parce que moi je le connaissais même pas avant de le voir. Donc je pense pas qu'il y en aura un 2, même si à la fin du 1, on voit très bien qu'il y a possiblement une suite. Mais enfin bref, j'espère quand même que cette vidéo sur Tortue Ninja des mutants à Manhattan vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur un jeu différent, ou mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Assassin's Creed Origins. En attendant, moi je vous dis geek et bien, c'était Shadow Nightmare et à la prochaine vidéo. Salut tout le monde.